Ouais, bonsoir tous à toutes et bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Dome Keeper et bienvenue pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps, ça va faire pratiquement un an que nous n'avons pas joué. Même, ça doit faire un an qu'on n'a pas joué à ce jeu. Ce petit roguelike de qualité. Voilà, on y retourne, un peu de chill. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles mises à jour. J'ai refait une petite game histoire de pouvoir en débloquer une. C'est notamment au niveau des dômes. Nous avons le dôme laser, nous avons le dôme épée, mais surtout nous avons maintenant le dôme artillerie. Hop là! Donc avec un putain de mortier, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on va garder un peu tout le reste, puisque le reste, étant donné que j'ai pas trop joué dernièrement, ça peut être utile de le garder. Je suis en train de réfléchir, le monstrifuge ou le verger. Je suis pas très fan du verger, j'aime bien le garder le bouclier, c'est assez simple, c'est passif. Au niveau de la gestion, c'est plutôt agréable. Donc on va prendre ça comme ça, hop là. On va mettre ça en énorme, on va garder en difficulté normale. Un jour on fera une game en brutal, je pense, mais pas sur une découverte. Là c'est une découverte totale, hein, bien sûr. Je n'ai clairement jamais joué ce dôme. Voilà, c'est une découverte que je viens de débloquer à l'instant même. Alors je faisais une game avec l'épée. Ok. Super. Donc de mortierie. Maintenez RT pour recharger le mortier et relâcher. Alors, maintenez RT pour charger le mortier et relâcher pour tirer. Plus vous maintenez, plus il ira loin. Ok. Canon anti-aérien. Maintenez LT pour tirer avec votre canon anti-aérien. Si on compte les ennemis volants. Ok. Explosion et frappe directe. Les obus du mortier ont une zone d'effet, mais les frappes directes infligent plus de dégâts. Je peux pas endommager le dôme. Ok, super. Ok. Oh putain, ça fait tellement longtemps. Ah, bah déjà. Alors, faut savoir qu'il y a eu quelques mises à jour, mais ça reste des petites mises à jour sur le jeu. Donc, dans l'absolu. Ouh. Ça s'absorbe. Hop là. Je me rappelle à peu près comment on optimise dans ce jeu. C'était de 2x2. Donc, on va partir à partir de là. Hop là. Oh putain, on est lent. On est lent par rapport à la game juste avant. On va, hop là. Je sais que c'est pas très opti, mais c'est le début, hein. C'est le début, faut se reprendre un peu. J'ai fait ça vite fait tout à l'heure. Hop là, la jauge d'intégrité de la base, on s'en fiche un peu. Ok. Je veux juste savoir à quand faut que je remonte. Ok. De voir si je peux pas trouver des ressources un peu plus intéressantes. Voilà. Voilà, on va tout pousser. Ok. Voilà. Avançons, avance. Alors. Un peu de vitesse pour le moment. Ça peut être une bonne idée. On va essayer de ramener toutes les ressources qu'on nous avons là. Oh merde. Ça c'est plus intéressant. Merde. En plus c'est vraiment un truc que je connais pas. Oh putain. Oh ça va être difficile. Oh oui, ça va être difficile. Ça a l'air fort, mais ça va être très compliqué à gérer. Ok. Donc nous sommes bien sûr dans une chasse à la relique. Il risque de nous prendre au moins une petite heure facile. J'avoue que j'ai pas regardé au-dessus. Hop là. Hop là. Pour le moment, de toute façon, je pense qu'on va améliorer énormément. Ok. Notre personnage, là, on va juste au moins l'améliorer une seconde fois au niveau de la foreuse. Pour une vision un peu plus long-termiste. Bien qu'au final, on gagne des trucs. Alors, voyons voir. Canon anti-aérien. Améliorer votre canon anti-aérien pour qu'il vise plus vite. Il est également équipé d'un viseur laser pour améliorer la précision. Alors, améliorer votre mortier pour qu'il puisse tirer des obus à plus grand rayon d'explosion, pour qu'il puisse tirer des obus spécialisés dans les frappes directes.
Ça, ce serait bien. Hein. Le plus intéressant serait ça. Mais on va prendre ça parce que je ne pense pas avoir la maîtrise concrète de la chose. Voilà. Hop là. Ah, petit épisode chill. Enfin, chill. Jusqu'à la fin, bien sûr. Ça, on connaît bien. Voilà. Les deux forêts jusqu'au bout. Ok. On récupère tout ça et déjà on sera pas mal. Ok. Oh putain, quel enfer! C'est un enfer à jouer. Je sais pas jouer. Ok. Ok, ça va être un peu difficile. C'est intéressant. Mais ça va demander une maîtrise. Ça va demander une maîtrise que j'espère pouvoir développer sur le long de la game. C'est cool. De toute façon, on va sûrement améliorer nos défenses, là. Pareil, on a pas mal de soins et tout. Hop là, plutôt que de partir très loin, on va déjà ramener tout ça. On fait une map énorme pour le début alors qu'on maîtrise pas le truc, c'était peut-être un peu grid. Bon, bon. Après, si je trouve des améliorations, en vrai ça peut le faire. Je vais la ramener parce que ça va peut-être possiblement nous orienter sur une méthode de jeu que je n'aurais pas anticipé autrement. Alors, convertisseur, condensateur. Convertisseur, oui. C'était quoi? Ça coûtait quoi? 4 de flotte pour faire ça, oui. Oui, 1000 fois oui. Et convertir 1 pour 10 avec grand plaisir. Ok. Ok, on va avoir une source très importante de fer. C'est une très bonne chose. Beaucoup de ressources à ramener. Je vais pas avoir forcément le temps de ramener tout, mais au moins... Voilà. On ramène tout ça. On sera bien. Alors, amélioration. Je vais me permettre de voir notre vie. Ce serait bien. Comme ça, on voit où on en est. Ça pourrait être une très bonne chose. Hop, améliorer... Ok, si ça... Ok, ça... En vrai, ça se fait. Oh putain, la maîtrise n'est pas évidente, hein. Mais... j'aime bien. J'aime bien, le concept est cool. On va voir si sur le long terme, ça peut être viable. Surtout contre des mobs un peu plus gros. Je sais pas du tout s'il y a eu des nouveaux mobs. J'avoue ne pas les avoir du tout rencontrés. Mais bon, j'imagine que c'est tout à fait probable. On a bien fait démarrer notre foreuse. Ah mais on va en chier là, on va en chier en... Vraiment. J'avoue que le monde charge pour moi c'est tellement la vie, c'est tellement ma cam en vrai. Non pas que par contre, ça, j'avoue que là les... Les 10 qu'on va ramener, là, ça va faire du bien. Les 10, tous les 2, 2-3 cycles, là. Ok. Hop là. On va essayer de ramener tout ça. Je sais pas si je pourrais ramener le cobalt. Non, je pense que ça va être un peu short. Ouais. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Je pourrais augmenter notre possibilité de charge, mais bon. Tirer 2 obus de mortier en succession rapide. Ah mais j'ai pas le pognon pour... plus de blindage. Enfin plus de... Ce sera pas forcément effectif pour là, mais ce sera utile pour la suite.
plus de défense pour le moment. On peut s'autoriser à charger plus quand même. Ok, c'est vrai que c'est particulier, hein, mais ça... Avec de quoi viser, ça se fait. Oh oui, ça se fait. Oh oui. Merde. Bon. Voilà. Oh, les petites cartouches que ça sort après. Une petite douille là. J'apprécie. Ok. Ça, je vais pouvoir dégager tout ça d'ici. Et on pourra potentiellement ramener plus. Si on a le monde charge, ce sera pas forcément perdu d'avoir tout ça non plus. Ok. On va voir ça. Mais ouais, je me suis remotivé là à faire quelques épisodes sur le jeu, donc on va voir combien on va en faire. Je crois qu'il y a du contenu à faire plutôt probant, on va essayer de faire ça. Hein. Hop là, ça, on va les ramener. Ça reste de la possibilité de remettre des HP. Ce qui est pas dégueulasse du tout. Ok. J'étais pas allé plus loin que ça non plus ici. Ouais, peut-être pas grand chose, ouais, voilà. Tac, 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 tac. Ok. Bon, très bien. Au moins, tout est prêt. Pour la suite, pas trop perdre de temps non plus. Oh le bourrin que c'est. C'est parfait. Ok, là j'ai pas grand chose. Mais c'est bien, c'est vraiment le bouclier qui prend majoritairement. On a très bien fait de l'améliorer. Jusque là. Ok, j'ai pas tout perdu de mon année sans Domekeeper. Ok. Oh. Ah oui, c'est... C'est le TP ça, non? Il me semble que c'est le TP. Peut-être me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et c'était comment pour l'activer déjà? Ok, c'est ça, c'était Y. Oh, et... It's time to... Non. Revenez. Ok. On doit re-ramener ça, là. Oh, le x10, là, j'avoue que... Ils l'ont buffé, hein, c'est pas possible. J'ai pas souvenir. Il me semble que c'était genre 7, peut-être, avant. Alors, peut-être qu'ils ont augmenté après le temps de... prod, aussi, c'est possible. Mais il me semblait pas que ce soit... que c'était autant avant. Alors vraiment, par contre, ça va me saucer. Hein. Ça va me saucer, pourquoi? Parce que là... Je vais prendre soit deux projectiles, soit les plus vite. On va faire davantage pivoter l'artillerie pour le moment. Et avec 6 points... Ah, je peux rien prendre. Ah, chier. Non, c'est pas grave. Ok, effectivement. Faut que je bourre comme un sagouin. Bonk. Voilà, parfait. Ok. Et c'est à usage unique. Oui, c'est ça. C'est à usage unique. Faut le temps de recharger tout ça. C'est ok. Putain, faut s'en mettre dans le bain. C'est comme du Isaac ou tout ça là. Isaac, ça va être une catastrophe depuis le temps.
doit être lamentable. Allez, voilà, parfait. Même si d'un point de vue, dans une vision long-termiste, on est quand même assez tranquille au niveau du fer. Donné que là, tous les trois cycles, on va en avoir 10. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec tout ça. Parce qu'on va améliorer la vitesse. On va améliorer la vitesse. Puis après, on va améliorer le forage. Puis après, on repartira sur des améliorations. En fait, le fait d'améliorer la vitesse, ça va me permettre de grind un peu plus potentiellement. Voilà, on va hop là, ramener juste ça. On finira la suite juste après. Il y a quand même un sacré délai qu'il faut tenir. Ok. Voilà, hop, juste choper tout ce qu'il y a là, voir s'il manque des choses ou non. Voilà. Ensuite donc. On a pris quelques coups hein, quand même. Faut pas, on va pas se mentir. C'est assez difficile de jouer défensif avec. Merde. De toute façon, va falloir tout ramener. Donc avec H, je peux essayer de faire ça un peu plus, mais. Voilà. On peut faire ça comme ça. Avec notre chat. Notre chat qui nous suit depuis dans toutes ses aventures. Voilà. C'est mieux pour forer. Maintenant, on améliore le package offensif du bâtiment, ça va être obligatoire. Non. Pas de grid, pas de grid, pas de grid. Pas trop de grid. Ouais. Oh, direct dessus. Ou presque. Là, c'est réellement mes points faibles parce qu'ils sont compliqués. Ok, amélioration quand même, je veux voir. J'ai beaucoup de flotte. Beaucoup de flotte, beaucoup de flotte. Je peux pas en faire grand chose à l'heure actuelle de toute cette flotte. Je regarde un peu. Compteur de vagues, s'il y en a un lorsqu'il est temps de retourner au dôme parce que la vague est sur le point d'arriver. Ok. On peut prendre ça. Ça permettra de moins grid. Et avançons. Avançons là-dedans. Les salauds, il y a des petits renfoncements comme ça. Bon, il n'y a rien du tout dedans, c'est une tristesse. Il pourrait y avoir des choses hein, quand même, hein, ce genre de petit. Je ne pas que ça tombe avec moi. Que je sois tranquille avec.
Moment, c'est pas très concluant. Ok. Quelque chose à ramener. Mais d'un point de vue du temps, il est judicieux de gratter un petit peu. Ok. Ils disent que c'est temps de remonter. Remontons. Et il a plutôt raison. Ça va m'être utile. Et je récupérerai tout ce qu'il faut juste après, en dessous. 100 PV, ouais, mais... C'est un peu critique, hein. Je me le bouffe. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça a rien de protégé. Oh merde, non. C'est ce que j'ai raté, j'ai oublié. De toute façon, faut que je ramène tout ça, là. Donc on va... Hop, là. On va ramener tout ça. Oh putain. Et là il faudrait le monde charge parce que je sais pas si je vais pouvoir déplacer tout ça. Voilà. Là on a fait un gros stock. Je sais pas pourquoi je le descends, alors je devrais pas le descendre du tout. Moi ça me permet de voir, mais il va falloir faire là le retour, donc c'est pas grave. Hop là. Très bien. Voilà, j'ai failli le perdre en chemin. On va écarter un petit peu le chemin aussi, ça peut être utile. Voilà. Alors, on va utiliser un cobalt, ça peut être utile. Deux missiles, ça va être utile aussi. Je sais pas si je vais avoir le temps. Je grid. J'aurais dû utiliser le TP. Je sais pas si... Attends, j'ai pas calculé, j'ai pas regardé, merde. Merde, non il m'en manque un, je suis dégoûté. Je voulais améliorer le bouclier, mais bon. Voilà. C'est très... Beaucoup moins pacifiste désormais. Ok. Ouais, on va laisser là. Là, il y a de l'or. Très bien. Des montagnes d'or. Enfin, de fer pour le coup. Allez. On remonte tout ça. Ok. On va pouvoir blinder un peu plus les défenses. On va le faire maintenant. Ça puisse se régénérer à temps. Et comme ça, nous, on s'entraîne aussi à la maîtrise du... Hop là. De la machine. Au niveau des ressources, on est pas mal. Hein. Par contre, au niveau équipement et avancé, je suis pas sûr qu'on soit si bien que ça.
Et c'est ça qui me fait peur, je l'admets. On va attendre pour aller pour choper les derniers. D'avoir exploré un peu. Au moins. Oh, une upgrade. Non ? Si. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Faut aller de l'eau. Ok, c'est une upgrade. Une upgrade où il fallait mettre de l'eau. C'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau et c'est appréciable par contre. Parce qu'on aime la nouveauté dans ce jeu, bien sûr. C'est un supplément. Coque électrifiée. Ajoutez un revêtement électrifié réactif à la coque du dôme qui blesse des monstres attaquant corps à corps. Ou réparer votre dôme de façon rudimentaire en utilisant le fer. Réduit la santé structurelle globale. Prendre ça. Est-ce que ça m'a ajouté un slot? Non, je crois pas. Ça me l'a un peu... Donc ça me l'a électrifié? Non, j'imagine que pas encore. Trop tôt. Est-ce que j'améliore ça? Ah si, j'ai celle-là qui s'est améliorée. Augmente les dégâts subis par les monstres lorsqu'ils frappent le dôme. Je gride ça, mais j'y crois plutôt fort. Ok, c'est vraiment la tourelle. Voilà. Essayer au maximum de l'upgrade. Ok, c'est la guerre, mais c'est... une guerre qu'on va gagner. Ok. Voilà. Avançons, avançons. Si j'avoue que ces 5 là, je pourrais les ramener, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les ramener dès que j'aurai exploré toute la gauche. Enfin, cette rangée là. Sous cocaïne. Vite, 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 vite. Allez, avance, 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 avance. Ça, je suis vraiment sous coke. Voilà. J'ai 2 soins en plus, c'est appréciable. Oh putain. Oh le bourrin que ça... Coup de fois que ça donne au truc. Ah, les champignons, effectivement, derrière, ils sont bien représentés. Hein. Alors, eux. Hop là. Attends. C'est de ramener tout ça d'un coup. Faire juste que le champignon, il va continuer à faire effet pendant quelques temps. Non, j'allais dire je pourrais grid, mais non, je pourrais pas grid. Je pourrais améliorer... alors, c'est soit remplacer les balles par des fusées intelligentes qui corrigent automatiquement la trajectoire pour atteindre les monstres, ou améliorer votre canon, donc vitesse de rechargement... On va prendre ça. C'est qu'il faudrait que j'améliore mon perso, et je pense que c'est ce qu'on fera juste après. Le dôme marche bien. Bon. On va... Hop là. Oh putain. Attends. Allez. Oh, voilà.
Ok. Alors j'ai peur, ouais, c'est ça, j'en avais oublié, hein. Mais ce qui me semblait, on va vite fait fouiller la suite. Et après on va regarder. On va en ramener un peu. Cobalt, c'est appréciable. Ok. Hop là. Merde, je peux pas le... Je voulais poser un portail, je ne pouvais pas, malheureusement. Ok. Oh. Non. Alors par contre, là, je pois. Hop là. Améliorer ma vitesse. Hop là. Et en améliorant ma vitesse, toujours. Dans un principe de pouvoir grid un peu plus. Hop là. Et de pouvoir me surcharger potentiellement sans trop être ralenti. Voilà. Moi je le suis quand même. Quoi qu'on en dise, je le suis quand même pas mal ralenti. Hop là. On va pouvoir avancer un petit peu quand même le forage. Oh, encore une amélo. Je suis gâté dans la zone. On va prendre ça, hop là, on va remonter. Hop là, il a même pas eu le temps de bipper. Ah, si. Il bippe quand même. Ah ouais, mais il bippe. Ok. Il bippe très tardivement. Canon automatique. Oui, en assistance, quel plaisir. Quel plaisir ça. Je sais plus ce que ça fait. Version de déplacement. Améliore tous les aspects du canon. Donc plus de dégâts des balles, vitesse de déplacement, temps entre chaque tir. Ouais. Dégâts des balles. Alors, balles lourdes ou mitrailleuses. Mitrailleuse, on va mettre pour lui, vu que moi je suis un peu plus déjà dans cette optique d'être rapide. Et on peut essayer de mettre un peu plus de vitesse encore. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Je vais me prendre un peu de dégâts. Voilà. Donc on va hop là. Il a réussi à choper derrière. Oh. Ok, on a une très bonne défense. On a une très bonne défense. Maintenant, faut quand même la renforcer toujours un peu. Vous devez se faire baiser comme un sale. Hop là. On vérifie bien chaque aspect, bien sûr. Ok. Hop là, on pose ça, comme ça on va pouvoir redescendre directement dès qu'on aura tout posé. Et ce sera nickel. Tu peux à quoi où j'en suis rendu au niveau des améliorations globalement. Attendez. Pas du lien. Oui, c'est ça, j'ai amélioré juste ma vitesse pour le moment. L'amélioration du forage va être utile assez simplement soupe, je pense. Vitesse de déplacement, le canon automatique s'active même lorsque vous ne prenez... Ok, ça peut être bien. Ça me coûte que de l'eau, donc en plus c'est une très bonne chose. Parce que, en vrai, des améliorations qui me coûtent que de l'eau... Il n'y en a pas grand... Il n'y en a pas beaucoup d'upgrades qui nécessitent tant d'eau que ça. J'en regretterai peut-être un peu plus tard, mais... Non, avec là, ça va. On pousse jusqu'au bout. Ok, ici c'est nickel. On passe de l'autre côté, on essaie de voir. Ouais,
va falloir y aller. Ok. J'ai eu le temps de voir tout. On va voir. Ça va passer, ça va être un peu juste, mais ça va passer. Ouais, ça va. Non. Voilà. Ah. Aïe. Ok. Parfait. Ok. Amélioration du forage maintenant. Ok, un peu d'eau, pour m'en déplaire, ça servira toujours. Ok. Oh putain, quel enfer. Quel enfer. Et là par contre, c'est là où je... c'est là où la foreuse va être utile. On pense toujours qu'il y en a 10 et on a toujours 10 de fer qui sont en production. Ok. C'est pas un petit mur, enfin quand c'est pas un petit sol meuble, ça galère un peu. Hein. Pour une fois, heureusement qu'on a de la vitesse à côté, quoi, mais ça fera pas tout. Ça fera pas tout. Dans le futur, il va falloir indéniablement améliorer autre chose. On va aller voir jusqu'au bout, mais à mon avis. Tout. Voilà. Non, je grille un peu quand même, hein, dernièrement. J'ai un des deux moments de prendre, voilà, les coups d'avant, mais... Ah. Ok. Ah, j'ai plus de fer du tout. Ok. J'ai plus de fer du tout là par contre là, donc c'est un peu critique. Que je peux plus faire les améliorations de base. Et même si j'en ai eu beaucoup au début et que là on. Ah ouais, c'est bon d'avoir. Merci. Le problème c'est que ça va être de plus en plus long à ramener. Ça devrait pas trop poser de problème. Allez. De toute façon, là, il va me falloir. Oh. Quelle bonne nouvelle. Hop là. J'aurais dû. Non, quoique, puisque le temps de faire les deux allers-retours. Au final, je vais pas avoir beaucoup à rentabiliser au niveau du forage. Non, ça va, le... Ça, c'est meuble. Ah merde, là, c'est moins meuble. Non, on va... ouvrir ça. Hop, voilà. On va poser ça là. On va prendre un peu plus de temps pour remonter, mais au moins, on va en ramener plus. Et de ça, d'ici, on va pouvoir, dans l'absolu, si on va pouvoir techniquement, voilà. Faire des améliorations. Améliorations foreuses, bien. Si elle était chercheuse, ouais, on va voir ça avec le temps.
c'est appréciable quand même d'avoir ce petit pistolet de support. Donc là, foreux s'est amélioré. Ah ça... ça galère quand même. Hein. Ah, ça patauge dans la mélasse, mais ça aurait pu être pire. Et ça se trouve, il y aura strictement rien au bout, mais au moins... on aura clôturé le problème. En fait, le problème, c'est que plus on va avancer, moins on va pouvoir rapidement progresser. Donc, au mieux, au plus on a des ressources tôt, au mieux ce sera. Ce genre de d'excroissance qu'on avait vraiment pas avant. Voilà. Il y a rien dedans. C'est bien mignon. Mais c'est pas le peu que ça aura servi. Ok. Bon, ça c'était bien. Alors par contre, il faut que je trouve une ressource qui nous soit utile. J'aimerais bien mettre ça sur du cobalt. Mais ce serait cool. Là, voilà. Là, il y en a deux. Ah, il y a une... ah, il y a une upgrade. Il y a une upgrade, mais il faut que je remonte. Faut que je remonte. Beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses. Tant pis. Tant pis pour le faire. Il faut remonter, c'est une priorité. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ok, 12 pour rotation rapide. Ou pour plus de shield. Alors, sachant que le shield ne me servira pas à ce moment-là. Mitrailleuse niveau 2. Peut-être appréciable. Non, je devrais prendre le braid d'abord. Si j'ai un monte charge, ce serait tellement goldé. J'ai pris quand même pas mal de cher. Il faut pas que j'oublie aussi que j'ai une graine. Ça, ça va être très important. La graine, normalement, si je la pose sur un cube... non, faut que je fasse des upgrades de défense, donc de toute manière, je vais pas m'y intéresser maintenant. Hop là. Je peux prendre un petit peu de fer avec, ça va, ça marche bien. Faut pas pénaliser. Point de vue vitesse. Un compteur indiquant la distance. C'est nouveau ça, un compteur indiquant la distance jusqu'aux ressources les plus proches. Ou un condensateur. On peut essayer de produire des ressources de manière réduite. On peut faire ça. Récupération automatique. Je fais ça et je fais ça. Comme ça on récupère automatiquement de la flotte. C'est peut-être un peu... particulier, faut le dire comme ça, mais au moins... au moins comme ça, c'est... on a une source en eau en parfaite autonomie. Là, j'ai juste ramené tout ce fer-là, et comme ça, on sera bon. J'aurais aimé le monte charge, j'avoue, là. Au vu du fer que j'ai sur moi. Même si c'est vrai que c'est un investissement long pour avoir quelque chose de rentable. Faut le dire, hein, le fer, c'est... enfin, le faire.
Non, pas forcément le faire. Les montes charge, c'est... Au début, c'est réellement un support, c'est... Pas quelque chose de très rentable. Avec le temps, ça s'améliore. Donc, avec 12 points, je peux améliorer ça. J'ai pas vu que je pouvais aller jusqu'en bas. Quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Ok, là on va pouvoir se concentrer sur le forage. À fond, vu que j'ai le portail qui est déjà au sol. Enfin, qui est déjà sur le portail, qui est au niveau de la... du dôme. Pour le moment, aucun signe réel du... de la relique, malheureusement. Mais on y croit. On y croit, on y croit. De toute façon, on a des sources d'eau à l'infini et des... et du fer à l'infini, techniquement. Donc il nous reste un de fer, c'est bon. Oh là. Et en faire cette roche. Ça pour si ça se trouve rien. En même temps, il y en a même en dessous. J'allais dire, je passe en dessous, mais non, parce que en dessous, c'est la même merde. Ok. Je pense que le portail en dessus, il est vraiment pas si... vraiment pas si tant un problème que ça, parce que... Oh non, j'aurais dû garder. Putain, la graine, j'ai oublié. Non, sur l'eau, on s'en fiche. En vrai, si on avait... Si je peux avoir sur le cobalt... Ça me donnerait ressources limitées en... dans toutes. En fait, avoir toutes les catégories de ressources en... en illimité, et ce serait génial. Je me permets de forer un peu à gauche, histoire de gagner un peu de temps. Ok. Voilà. Voilà. On est tranquille. Hop là. Oh merde. Pas elle. Elle, je vais... Lui, je vais essayer de le tuer au max. Pour pouvoir voir que elle a géré. Ok. C'est d'un bourrinisme total, mais c'est appréciable. Hop là. Voilà. J'ai 9 points. 9 points, je pourrais, charger, je pourrais me charger plus. Mais me charger plus, ça ne vaut pas l'intérêt de se défendre un peu mieux. Donc on va améliorer les défenses quand on pourra. Surtout ça. Ok. N'oublie pas la graine, on n'oublie pas la graine, on n'oublie pas la graine. Je répète, on n'oublie pas la graine. Ah putain, mais j'ai... En fait, j'ai pas regardé plus loin, là-bas. Il y a des fois où j'oublie... En fait, à chaque fois que j'ai beaucoup de trucs, j'oublie... de continuer... totalement la... le forage. On pourrait essayer de se faire une game avec l'assesseur aussi, mais je sais que l'assesseur, c'était compliqué, hein. Et étant donné, je sais que je veux faire sur les nouveaux bâtiments... et que je veux faire aussi la difficulté max. La difficulté max avec l'assesseur, je la vois mal, je me vois mal le faire. Non, l'eau. Ouais, il faudrait vraiment... Il faut ce monte-charge, en fait. Si j'ai le monte-charge, je suis tranquille. Après, j'ai juste à ramener tout, et dans le pire des cas, je prends même les améliorations pour me déplacer plus rapidement dedans. Et ce serait cool.
Mais à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que le jeu veuille me l'offrir. Ça, je vais les recentrer un peu. Je vais les garder sur moi. Le temps de forer. Oh là, cet endroit qui va être infernal. Je voudrais que Grit se bloque. Allez, on va remonter. On remonte. Je peux m'autoriser un petit de réparation, ce serait pas trop grid. Ok. On va être... on va bourrer, hein. Ah, ça leur fait mal, hein, quand même, hein. Je sais que ça, c'est d'habitude, en plus, c'est costaud. Voilà. Et j'ai toujours pas utilisé ce portail. Attends, je vais l'utiliser, histoire de pouvoir potentiellement le reposer en bas, puisque je vois que ça ne me sert pas. À tout moment, ça me servira à ce moment-là, mais ça fait déjà 3 tours que... 3 rounds. Dans l'inutilité la plus totale. Non, ça j'avais déjà fait en plus. Ok. Ouais, que chie. Oui, c'est parfait en plus. C'est juste au-dessus d'un sol très meuble. Ouf. Chier. Je suis dégoûté de la vie. dégoûté. On peut faire que ça sur l'eau? Ça me paraît très bizarre. Enfin, le Kinura, c'est possible aussi. Ok. Ma petite source de fer préférée. Hop là. Voilà. On va retenter, on va voir. Parce que là, du cobalt, j'en ai, hein. J'en ai à foison, c'est une catastrophe. Oui et non. Ok. Ok, il a réussi à le choper. Donc c'est bon. C'est bon. Oh merde, je suis pas du tout centré. Je suis pas du tout centré. Le portail il est aux fraises. Non, remonte, saloperie. Et là c'est là où il aurait été utile le portail. Vite. Non, parce que si encore ces grosses saloperies et que je suis pas là. Ok. J'ai eu de la chance. De l'or, des montagnes d'or, et lui il est fixé. Bah en vrai je vais voir si je laisse les deux à côté, il va les absorber. On va continuer à remonter tout ça. Peut-être d'écarter un tout petit peu l'entrée histoire de... Là, on pourra se charger un petit peu et être tranquille. Ok. Je pourrais faire ça. Ça me paraît le plus judicieux après avoir. C'est à voir, parce que j'avoue que le tir de la mitrailleuse serait très utile. Et le bouclier le serait tout autant. Okay.
peut-être gratter histoire de. Il y a des choses dans le coin, je sais plus. J'aurais dû retenir. Non, c'était bon. Ok. Le problème, c'est que c'est vraiment le meilleur moyen de se perdre. Hein, de faire ça comme ça. En fait, le meilleur moyen de snowball, c'est dans le jeu, c'est vraiment de s'améliorer à fond. Faut vraiment être confiant sur son bâtiment. Et je le suis pas tant que ça au final, donc. Ouais, il va falloir. J'ai pas la maîtrise du bâtiment et ça fait que j'ai tendance à. Ouais, va falloir y aller. Tant pis pour les ressources, c'est pas grave. De toute façon, du peu de ce que j'ai ramené pour le moment, ça n'a pas grand intérêt. Oh putain. Hop là. Parce que là, ça va. Merde. Ça c'est de la saloperie il me semble dans mes souvenirs. Il va être temps de. Il va être temps de forer à fond et à foison. Hein. J'ai 6 ressources à ramener. On n'oublie pas. Bah en vrai on va faire ça. Commencer par ça d'abord. Par là. C'est saloperie. Certes on est ralenti mais après l'avantage c'est que vu qu'on a le portail qui est encore en dessous. Voilà. Ça va aller assez vite. Oh merde, la nouvelle couche. La nouvelle couche, ça va être encore plus résistant que l'enfer. Après, j'ose imaginer qu'on se rapproche quand même de la fin au niveau de la chasse à la relique là. Parce qu'on a fait quand même beaucoup de chemin. Peut-être un petit quart d'heure encore de recherche. Mais je doute que ça aille beaucoup plus loin. En termes de vitesse, on est bon pour le moment. En termes de vitesse et de charge, ça pourrait être mieux, mais dans l'absolu, on va pas trop. Pas trop se focaliser là-dessus. Oh là là. Oh non. Oh celui-là il me fait mal. Et je crois qu'en plus c'est pas les pieds. Hein. Je crois que c'est pas si dense que ça en plus comme caillou. Et on fait bien d'aller jusqu'au bout parce que. Hop là, on va repousser tout ça. Il faut remonter. Hop là. Hop, voilà. C'est bon. On a réussi à récupérer. Oh oui. J'ai pas mis le portage, j'aurais dû. Je suis trop en train de griller depuis tout à l'heure. Il faut vraiment que je grille pour améliorer mes défenses. Ok. Oh merde. Ok. Voilà. Ça bouffe, hein. Ça bouffe tout ça. Ça bouffe. On a un peu plus de shield, donc techniquement on peut mieux tanker quand même. C'est une bonne chose. Non, ça sert à rien que j'aille par là-bas. Faut déjà que je récupère tout ce fer là-bas. À ramener et à vérifier qu'il n'y ait rien derrière tout ça. Ok, super. Très bonne nouvelle qu'il n'y ait pas grand chose. Voilà. Voilà.
On va essayer de ramener donc déjà ces 5 là. Ça va être cool. Pour l'instant, faut toujours penser qu'on fait un petit peu d'eau à peu près tous les... C'est quoi, c'est tous les 1 ou 1,5 cycles, je crois. Attends, on va... Plutôt que de partir dans des... Dans des projets farfelus, on va déjà commencer par... optimiser le temps. Bien sûr, on n'a pas costaud aussi, hein, c'est sûr. Mais de toute façon, je pense qu'on l'aura pas. Bien global. Parce qu'il me semble que c'est 2 emplacements max pour les améliorations sur le dôme. Ouais, j'ai vu qu'il fallait remonter. Allez, hop là. Ça remonte vite tout ça. Vite. Alors, on trace assez vite quand même, mais... Ah, ça bip à chaque fois, hein. La forêt, pas grand intérêt. Non, par contre, ça, l'améliorer. Dispersion des balles, 4%, mais pas entre chaque tir, moins. Ce bruit. Oh, ça bonk très fort hein, quand même. Hein. Ok. Il y avait des choses par là. Non. Ah, oui. Ouais, mais là, ça va être greedy. Hein. Va falloir une nouvelle foreuse. Hein. Si je vais pouvoir continuer à explorer suffisamment vite pour pas me faire submerger. Certains me diront que je pourrais peut-être directement essayer d'aller à l'essentiel, mais je suis pas trop de cette team, là en fait. Tech. On va essayer de gagner du temps. On va faire 2 allers-retours, on va ramener 10. Très bien, 10. On aura potentiellement de quoi améliorer les missiles. Oh, ça serait bien. Très bien. Bon, on va essayer de forer le max, hein. On va en prendre un en plus. On surcharge un peu, mais vu qu'on a encore un peu de temps, c'est plutôt crédible. Ouais, oui, je suis contre surcharge, mais au final, là. Oui, il y a quand même une différence de déplacement, mais ça va, c'est pas trop, hein, pas trop significatif. Aïe, c'est difficile tout ça. Moi, par contre, je vois un truc qui me fait beaucoup plaisir. Ok. Là, il y en a beaucoup. Oui. Bingo. Ça. Ok. 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 Là, on est sur une défense qui est forte. Là, c'est cool. On est sur des ressources qui sont bonnes. Je crois que j'ai pas lancé le convertisseur encore. Okay. Il va falloir que j'y aille. On va hop là poser le portail là.
Attends, on va pouvoir ramener encore 10. Une fois que les 10 seront ramenés, on va voir en fait. Parce que je pense que ça va... Ouais, c'est ça. Hop là, on devrait pas perdre trop de temps là-dessus. Surcharge du bouclier, pour le moment c'est pas trop le chose qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, ça va être d'améliorer vraiment la foreuse, mais... Ah, des niveaux démentiels. Hop là. J'ai envie de croire que je peux faire deux allers-retours. C'est peut-être pas le plus opti, mais... Ouais, c'est pas le plus opti. Par contre, je vais voir... Autrement, je peux aller voir si le cobalt a poussé déjà. Oh, j'en sais rien. On va voir. On va voir. Cobalt était dans le bleu. C'est par là. Ok. Bon. Au moins, il n'y a rien. Voilà. Je voulais... Hop là, comme ça. Un minima rentabiliser le truc. Bon, malheureusement, le portail ne sera pas pour ce tour-là. Donc là, il faudrait que j'économise 20 pour le forage. Ok. On peut se permettre de renforcer un tout petit peu, histoire de vraiment pouvoir se focus sur la défense et pas sur la réparation. C'est que le shield pour le moment qu'il prend. Il a pris quelques coups, il prend surtout sur ceux qui rushent pas mal dernièrement. Mais ce n'est pas si grave que ça. En vrai, quand on voit tout ce qui reste à côté. En vrai, en 6 cycles techniquement, on peut savoir la foreuse niveau. On peut augmenter la foreuse à un niveau supérieur. Et ce serait vraiment essentiel. Serait vraiment vraiment utile. Là, ça, on va le ramener dans ce coin là. Ok, encore pas mal de un peu de terre meuble là dans le coin, ça fait du bien. Ça permet de vraiment accélérer les choses. Je dis ça et ça se densifie d'un coup. Non, ça va. Que je... Oh merde. Oh la graine là, là. Allez. Pris possession du truc, mais de manière violente. Ouais, oh, j'ai bien fait de... Alors, on va se permettre... Pas regarder beaucoup plus loin au-dessus, mais... Non, en vrai, ça, j'y crois. Je pense que c'est... Ça va être fonctionnel comme ça. Donc deux cobalt, deux de flotte. Hop là. On prépare toujours le petit trou. Hop là, et on remonte. Le portail est prêt, tout est prêt. Même si effectivement la flotte c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc au final, vu qu'on en récupère un petit peu tout le temps, c'est prêt. Hop là. Est-ce qu'on pourrait améliorer quelque chose ? 10 points, je suis pas convaincu qu'on puisse améliorer quelque chose de si probant, je dirais. Non.
Voilà. Hop là. Bon, montant que c'est le shield qui encaisse, tout va bien. Pour le moment. Ça fait qu'on économise du cobalt en grande quantité. Ça, c'est plutôt bien aussi. C'est ça qu'il faut mentionner. Au final, on commence à choper une quantité de cobalt assez... assez ahurissante. Oh là là, quel enfer. Quel enfer de forêt, c'est... ce sol. Je sais qu'il n'y a rien, mais... bon. Entre faire le tour et forer ça, autant forer ça. Ça simplifie le trajet et ça dure tout aussi longtemps. Voilà. Ok, le portail est prêt. Hein. Là, je sais que ça va être long. Voilà. Au moins, c'est fait. Tellement long. Ça pour le cobalt. Bon, en vrai, c'est... on va jamais cracher sur du cobalt très clairement, mais quand même. Bon, allons-y. Remontons. Remontons alors que nous avons tout ça de déjà exploré. On a pas mal exploré déjà, hein. Ok. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Ok. Ok, on est chaud. Hein. On est chaud avec ce bâtiment. De l'or, enfin du fer. Je dis de l'or à chaque fois parce que c'est... ça en est de la couleur, mais... quel bonheur. Enfin, ouais, faut qu'on remonte tout d'abord. Pourquoi? Parce que faut qu'on améliore la foreuse avant de commencer à forer à droite à gauche. C'est plus possible, ça devient trop compliqué. Pour le moment, les défenses tiennent, donc justement, c'est plutôt probant de faire ça. Au-delà de l'exploration, etc. Oui, en plus, c'est bien timé, il y a ça qui se finit. Hop là. Hop là. Voilà. Là, ça va forer sec. Oh là. Oh, ça va forer très très dur. Peut se faire ici. Allez, dites-moi que c'est efficace. C'est mieux. Ça remet à niveau nos... ça remet à niveau le matériel, c'est mieux. Récupérer tout ce qui est tombé et notamment ce fer. Ah putain, il y en a beaucoup. Beaucoup de fer à ramener. Non. J'allais dire je récupère, mais non, non, non. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. On récupérera dans les tours à venir.
avance. Ok. Est-ce qu'on pourrait améliorer? Je suis en train de réfléchir. Parce que là, on améliorerait la foreuse pour aller plus vite, je pense. Améliorer la vitesse ou améliorer notre... notre capacité de charge aussi pourrait être utile. Je suis pas un grand fan de la surcharge, donc... J'avoue que je suis jamais attelé. De toute façon... ça, c'est full upgrade pour le canon automatique. Ça, il n'y a pas beaucoup besoin d'améliorer plus. Ça, il n'y a pas besoin d'améliorer plus. On va prendre ça et après on améliorera ceci. C'est une très bonne chose. On va faire ça comme ça. Allons-y, allons-y. Me plaindre, hein, pour une fois que j'ai dû faire. Il y en a un. Ouais, ça va me faire... ça va me limiter les allers-retours, je vais gagner du temps maintenant. Un peu plus, en tout cas. Parce que autant au début c'est pas trop un gain de temps, là, plus moins je fais d'allers-retours, mieux ce sera. Donc, autant dire que là, ce sera appréciable. Hop là, se surcharge un peu, mais c'est pour la bonne cause. Et surtout, c'est plus efficace désormais. Ouais, on passe de 5 à... ouais, on a doublé notre charge. J'ai aucun problème. J'ai aucun regret. Sur cet investissement long terme, ça va me faire gagner du temps de forage, et ça, c'est pas négligeable. Limite carrément investir là-dedans, mais ça ne serait idiot. Ouais. Les défenses seront priorisées. Charge tout ça. Voilà. Allons-y. Go, 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 go. Là, j'avoue, je suis un peu sous pression. Parce qu'il va falloir vraiment être réactif sur tout. Oh oui, attends, de la vitesse? Non, on avait dit de l'amélioration. Donc 28 quoi qu'il en coûte. 28 quoi qu'il en coûte pour améliorer à fond le mortier. Et ce sera très bien si. Explorer un peu. Je sais que j'ai pas fini là à droite. Hein. Donc ça a l'air d'être pas trop lent de ce côté-là. Allez. Hop là. Ok.
On aura exploré tout le côté gauche. C'est le côté droit. Un peu plus résistant malheureusement. Ok, faut fuir. On va retourner. Oh, je suis loin. Oh, je suis loin. Oh, le mortier est efficace, hein. Oh non. Ça, ça fait mal. Ok. Super. Super, super. Hop là. Ok, y a rien. Y a rien. Mais c'est-à-dire qu'on peut avancer sur la suite. C'est sûr tout ça. Une terre un peu plus meuble jusque-là. Ça se densifie. Allez. Ok. Ouf. Nouvelle zone. Il y a un nouveau caillou tout ça. Ok. Oh, tellement de fer. Je sais pas si tout aura une utilité à la fin. À quand le monte charge s'il vous plaît. Là je pourrais vraiment le rentabiliser. Genre vraiment. Avec tout ça là. Quel enfer. J'ai tellement de trucs. J'en ai tellement. C'est indécent. Allez. Allez. Ok. Alors, voyons voir les upgrades. Des coups directs. On charge plus rapidement. Ouf. On met quadruple. Je veux dire quadruple, hein. En vrai, si les 4 y touchent, ce sera plus rentable. Là. Hop. Voilà. Hop là. Hop là. Et y a plus grand chose. Vitesse max ou charge. Vitesse max. Ah merde, il manque un point. Charge. J'ai trop de flotte aussi. J'ai trop de flotte, beaucoup trop. Et j'ai rien pour la rentabiliser. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Voilà. Ah mais pardon. Juste m'assurer qu'il n'y a plus rien. Ok.
Hop là. On récupère tout ça, on embarque. Et on va pouvoir essayer de stacker tout ça. Putain, on va à une vitesse. Hop là. Oh putain. Oh, je peux tout. Je peux porter tout ça, ça me pénalise pas. Bah, let's go. Let's go, let's go. Hop là. Allez. On y croit, on y croit. Ça, ça fait du bien. Ok. Ok. Rends mes excuses. Petit éléphant. Enfin, je vais dire grosse ellipse parce que ça faisait trop longtemps par rapport à ce que j'avais prévu. Donc j'ai fait malheureusement une pause. Donc j'ai un peu oublié ce qu'on était en train de faire. Même si bon, j'ai trop oublié le principe du jeu. Ah ouais. On va prendre, on va avoir confiance. Par confiance, tac 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 tac. Ah oui, on a les flèches. Ok. Hop là. Alors, en amélioration, on a 18 points. 18 points, on pourrait aller encore plus vite. On pourrait faire la surcharge du bouclier, mais je sais pas si c'est vraiment ce qui m'intéresse en priorité. Tac 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 tac. Ça va vraiment nous améliorer, nous. Voilà. Je pense que ça peut être très utile. On a beaucoup de cobalt. Ok, ça va être tendu. Ok. Super. Hop là. Allez, on y repart. Mais ouais, je pense que la surcharge sera peut-être une des prochaines choses, une fois qu'on aura bien upgrade. Je pense que la forêt, il faudra l'upgrade une dernière fois quand même. Doudoudou. Voilà. Allez. Ça fait du bien de faire une petite pause après 1h20 de minage. Même si ça fait que je sais plus trop où j'en suis. Dans l'absolu, ça va le faire. Ah. Oh, on s'en rapproche. Ah, je commence à en chier là. Ok, on commence à se rapprocher de la fin. Voilà, on remet le portail. Ok. On a bien fait d'écarter un petit peu tout, hein. Ça permet de vraiment, vraiment donner. Hop là. Voilà. Ça permet d'être tranquille pour remonter avec des grosses charges comme ça. Oh là là, regarde ça, ça paye mon gars, ça paye. Ok.
question, c'est qu'est-ce que j'en fais de tous ces points. En vrai, si on se rapproche de la fin, faut que je puisse faire la surcharge du bouclier. Surcharge de durée de combat. Tech. Ah oui, il y avait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pouvoirs annexes aussi. Putain, j'avais oublié totalement ça. Retour à l'envoyeur. Clenche une capacité qui réactive. Oh oui, ça c'était vrai. Qui renvoie les projectiles, ça peut être une très bonne idée. Durée de la capacité. Nombre d'utilisations par combat 2. Ok. On va prendre ça. Voilà. Allons-y. Hop là. Voilà. Allez, il bouffe. Non, c'est pas fini. Ah si. Ah mais c'était juste projectile à la con. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me focalise sur la suite? Je veux juste voir un petit peu à gauche où on en était. Parce que je m'excuse, mais vraiment, j'ai tellement oublié. Ok, c'était bon. On avait vraiment full exploré ici. Ok, donc il va nous rester juste... aller voir de ce côté-là, à droite. Potentiellement récupérer les ressources qui restent. Ok. Ok, c'est en train de se rétrécir. C'est une très bonne chose. Et là, on est dans une zone qui est très meuble encore, donc c'est pas mal. On va peut-être galérer un petit peu à finir le forage, au vu de la nouvelle couche qu'on va devoir affronter, mais bon, ce n'est pas grave. Ok. Tic, 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 tic. Au moins déjà, on sera bien. On reprépare tout ça. Tac, tac. De toute façon, je pourrais pas en un seul round, en un seul cycle, pouvoir tout terminer. C'est une certitude. Donc, autant maximiser les ressources, maximiser tout. Parce que pour le moment, la défense est assez strong. Au niveau du cobalt et tout, on est quand même très bien. On va remonter. On va remonter, ouais. Hop là, on récupère tout et on trace. Oh là, la vitesse. Temps essentiel, hein, j'ai envie de dire. Hein. À ce moment-là... Oh là, c'est comme si on n'avait rien. J'ai touché les choses que je ne voulais pas toucher initialement. Ok. On a 16 en plus. Ouais, ça va le faire. Ok. Ok, ça va le faire. Tac, 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 tac. Alors. Ah merde, j'avais mis le portail, j'y ai pensé. J'ai eu un doute sur le fait d'y avoir pensé. Bon. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas eu de monte charge sur cette run, mais c'est pas grave, on a eu pas mal de choses. Et surtout qu'il y a eu pas mal d'updates depuis, puisque l'autocanon, moi, il était pas comme ça au début, hein, dans mes souvenirs. À moins que ça s'inverse avec un autre truc. Ah non, à moins que juste avec le canon qui paralyse. Ah, ça peut être ça aussi. C'était peut-être un canon qui ralentissait, ouais, sûrement le mien. Je crois que c'était ça. Non pas une arme offensive. Enfin, purement offensive. Tac, tac, tac,
tac, tac. Ok, pas grand chose ici. C'est pas grave. Tac, tac. On continue. Continue l'exploration en grande pompe. On va tout trouver de toute façon, il n'y a pas de soucis, hein. C'est juste une histoire de temps. Ah oui, ça c'est plus grande vision, c'est bien. Même si en soi, dans l'absolu, au vu de ce qu'on fait nous, de notre manière, c'est pas très utile. D'élargir le champ de vision, mais bon. Ouais, hop là. Hop là, on remonte à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. C'est juste hein, quand même. Hein. Ok. Je pourrais encore améliorer la foreuse, mais il faut vraiment. On peut essayer d'améliorer la surcharge. Je sais pas du tout, je peux trouver ça. Il y a tout ça aussi qu'il faudra penser à améliorer, mais c'est un peu plus tard. On va essayer de faire ça au dernier moment. Surcharge, durée de capacité de combat, durée de la capacité additionnelle. Hop là, plus 60 PV, plus 80 PV. Ok, et il y aura potentiellement ça, upgrade. C'est... Ok. Hop là. Parti. Parti, c'est parti. On continue. Et on reste focus. Faut oublier qu'il y a de quoi rajouter des HP aussi avec les, le fer. Oh putain, il y en a tellement, au secours. Non, à quoi que... Ah bah non. Un muret de forage, ça va être cher par rapport... ça, on va voir. Ok. Là, c'est dense, mais ça a l'air d'être un peu plus meuble après. Ah. Oh, c'est une upgrade carrément. Quel bonheur. Quel bonheur une upgrade, même si c'est très tard dans le jeu. En fait, plutôt que d'aller loin, pourrons un tout petit peu. Voilà. Ce sera pas mal. Je me demande si je suis pas un peu plus lourd que d'habitude. Je suis pas un peu abusé. Pas impossible. Oh non. Je gride. Je devrais pas gride autant. Ok, monte charge, flèche. Oh! Oh putain, les deux. Oh la flèche, je connais pas du tout, je prends.
Voilà. Ok, alors, amélioration. Je vais regarder un petit peu les améliorations de la flèche. Parce que la flèche, je pense que ça va être une réelle... un réel pouvoir. Défensif qui attaque les projectiles agressifs, réduit le temps de recharge à presque zéro, permettant une cadence de tir très régulière. Ou la deuxième, gère bien les salves. Bon, ça je peux le prendre, ça c'est une certitude. Est-ce que je préfère que... Ouais, je vais prendre ça puisque ça va être, de... ça va être le dawa après. Temps de recharge, on va encore le baisser. Voilà. Temps de recharge va être décemment abusé. Encore, ensuite. On va voir ça déjà. Oh putain. Oh le bordel que ça fait. Non par contre, ouais, j'avoue que là ça peut être très utile. Parce que c'est mon seul point faible, le projectile. Ok. Même si j'avoue qu'un petit monte charge aurait été utile et n'aurait pas été du luxe. Je pense qu'il est préférable de se focaliser à l'heure actuelle sur la défense plutôt que sur le monte charge. Vous avez suffisamment buff pour pouvoir ramener tout ce qu'on a en un seul coup. Oh putain, et j'ai plus d'eau. J'ai dépensé toute la flotte pour ça. Très bien. Je peux pas me plaindre en absolu. Est-ce que je pourrais buff le la dose de surcharge? Parce que j'ai l'impression que la dose de surcharge est pas si grande, je sais plus. Faut que je regarde. Alors. Allons-y. Ok. Le portail est prêt. Ok. On va retourner. Hop là, très vite. Voilà. J'ai toujours envie de grid dans ce jeu. Hein. Toujours envie d'essayer de gratter quelques secondes. Et de gratter le bloc suivant. C'est une catastrophe. Voilà. Ok, pour le moment tout va bien. Ok. Oh, j'ai 31. Oh, je pourrais carrément améliorer la foreuse. Ouais, on va faire ça. On va améliorer la foreuse. Ça peut être appréciable encore de fluidifier notre travail. S'en mettre à niveau par rapport au niveau, justement. Et comme ça, on va pouvoir potentiellement enchaîner la fin assez efficacement. Moins trop s'attarder voilà sur ce bloc de merde. Ils ne veulent juste pas être forés. Allez. Allez. On va se rapprocher bientôt du cœur de la relique. Ça ne doit pas rester grand chose à mon avis. Tu me la sépares d'elle. Elle est carrément juste en dessous. Mais. Plus de ressources veut dire une meilleure défense. Et je ne dis pas non à une meilleure défense. Tac, tac, tac.
bibliothèque. Et un pot de fer, c'est toujours un pot de bonheur. Voilà, tout ça sera à ramener. Tout le retour. Ah, c'est optimisé. Hein. Ok, super. Et plus on avance, plus... Ouais, je vais en chier un peu quand même. Hop là. Voilà. Allez. Si je vais toujours tout droit, ça devrait le faire en termes de temps. On ramène des quantités monstrueuses de fer à chaque fois. Ah putain. Passer pour lui. Ok. Je suis très content, Claude, de l'avoir en support cette chose, hein, quand même. Je pourrais reporter encore plus, mais ça n'aurait pas d'intérêt. On va mettre le reflet accéléré. Ce sera très bien. Et je ne peux pas faire ça pour le moment parce que je n'ai pas cette flotte. Alors, ce qui pourrait être intéressant. Au niveau de la flotte, toutefois. On verra ça, mais ça va être de potentiellement... oui, c'est pas là. Oula. Je crois qu'on arrive vraiment à la fin du feu. Enfin, on va... Ça va être sectionné en deux, j'ai l'impression, là. Ok. On va avoir deux cuves. Ok, super. C'est optimisé pratiquement, hein. Quand je vois des fois certains angles que j'ai pas totalement vérifiés, je me dis que c'est pas si grave. Oh putain. Du fer, il y en a, hein. Je sais quoi ramener. Ouais, on va re-ramener tout ce fer parce que de toute façon j'aurai jamais le temps de tout. Hop là. Se délester un peu histoire d'avoir un peu de marge. Voilà. Là on sera pas en retard cette fois. Et on aura ramené encore 4, 6, ouais, une dizaine de fer en plus. J'ai un de flotte, très bien. Je peux me plaindre hein, dans l'absolu. Je pourrais prendre ces deux améliorations là, je pourrais prendre ça aussi, j'avoue que ça, ça serait enfin, utile. On se comprend bien, hein, mais en même temps, vu que j'ai toutes les upgrades du reste, j'avoue que prendre ça n'est pas forcément moins, n'est pas si non pertinent. Oh, le snipe.
J'ai snipé au mortier. Bestiole volante, c'était parfait. Il n'y a rien de ce côté-là, c'est aussi la dèche. La tristesse. Ça va vite là. Oh, ça va vite. Voilà. Ah, c'est, ils sont profonds. Hein. Ah, est-ce que c'était juste un petit bloc au milieu? Peut-être. Juste pour me faire chier. Possible aussi. Par contre, en tout cas, nouvelle couche. La seule chose que je constate, c'est que ça va m'emmerder encore. Ah! Oh! On s'en rapproche, on s'en rapproche. Ils sont plutôt, on les trouve tous. Au plus simple, après ce sera. Ok. On va retourner en haut. J'aurais bien récupéré tout d'abord. Je vais regretter. Ouais, je peux pas. Ah merde, j'ai raté tout le fer. Allez, monte vite. Monte, sac à merde. Allez. Go, 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 go. Oh, ça trace, hein. Ça trace, ça trace, ça trace. Hop là. Ça, on peut continuer à faire comme on veut. Ça fait une petite dizaine. Oh putain, 23 de cobalt. En vrai, on est bien là-dessus. Je pourrais avoir quoi? Partage de projectiles. Les projectiles frappés se divisent en plusieurs petits... Figeant les dégâts aux ennemis, la quantité de projectiles, fiche énergétique, abattre. On va prendre ça. Piège à monstre, piège catalyste. Améliore l'efficacité du piège énergétique. Ouais. Ok, très bien. Ouh, mais c'est que vous êtes nombreux là par contre. Oula. Ok. Bon, heureusement que le mortier a 4 cartouches là, ça a fait du bien. Ok. On a beaucoup de choses encore. Hein. Est-ce qu'on explore plus ou est-ce que j'ai besoin d'explorer plus? C'est ça le problème. Enfin, le problème. C'est bon, maintenant c'est... Je peux porter des kilos et des kilos sans que ça me pose aucun problème. C'est grateful. Aucun problème. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Putain, quand je vais refaire une nouvelle game, ça va faire bizarre. Hein. Mais, que ce soit la vitesse, le portage, le temps de forage et tout ça. Enfin, le temps de forage, ça va, parce qu'on sait... vu qu'on a des choses de plus en plus dures... C'est... Hop, là. Peut-être pas si... Hop, là. De toute façon, on va voir. Déjà, on va voir est-ce qu'il s'ouvre ou non. À mon avis, non. Parce que je crois que je vois un câble qui est pas... qui est alimenté. À mon avis, il va manquer au moins un, si ce n'est deux. Ça ferait sens, ça ferait sens. Ouais. Ça fait sens. Ok. Donc, ce qu'on va faire.
Et un peu l'explo. Ça va pas être trop long. Quoique, est-ce que je continue réellement l'explo en vrai? C'est pas... On va se focaliser sur la... Sur la suite. Ce serait plutôt cohérent. Dans le pire des cas, on regardera les ressources qui nous manquent, s'il nous manque des choses, mais je pense qu'il va pas nous manquer grand chose, hein, je veux dire. Ah, il faut du fer pour ce temps, voilà. Il nous faut deux blocs de fer. Alors. Voilà. Amélioration, 20 points, 20 points, je pourrais prendre tout ça, hein. Parce qu'après j'ai ça, mais... On va voir ça un peu plus... Ouais, on va prendre ça, on va prendre la... On va prendre toutes les... tous les HP, ce sera déjà très bien. Oh non, pas toi. Voilà. J'avais oublié qu'il existait celui-là. Ok. Sérieux, je vous avais jamais vu encore. Ok. Si je trouve du fer, on le met là-dedans. Je sais plus du tout à quoi ça sert. C'est toujours un mystère à chaque fois, ce genre de truc. De toute façon, dans les roguelikes, si t'as pas... Si tu joues pas régulièrement, tu oublies la moitié des choses. Des fois, t'es en mode, hein, quoi ça sert? Surtout les petits trucs comme ça, annexes. Ah, il y en a deux, il m'en manque deux. C'est l'enfer. Ok. Ok, 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 ok. Voilà. En vrai, on a de quoi tanker, hein, en théorie. Hein. C'est juste qu'il va falloir... Vraiment... la suite, parce que j'avoue que même si c'est intéressant de prendre des ressources, je pense que là on arrive à un moment où les ressources vont plus trop avoir d'intérêt, plus trop en tout cas. J'en ai un peu. J'avoue que j'aimerais bien l'upgrade quand même de ce truc. Allez. Ah putain, c'est difficile à forer tout ça. Ah ok, j'ai un peu de fer, ça peut être bien. S'il veut bien me le lâcher avant le compte à rebours. Ok, super. On va juste passer là. Hop. C'est alimenté. Et on remonte vite. Je sais pas ce que j'ai fait. En toute sincérité, là, je ne sais pas. Hop là. De toute façon, avec de la flotte, je vais rien avoir en particulier à améliorer. Hein. C'est bien puisque le peu de fer que j'ai gagné là. Hop là. Donc ça, les boules de plasma.
Ok, c'est fort, c'est fort. Allez, ça part. Ah putain, il est encore en dessous, hein. Bien sûr. Je sais pas du tout ce que j'activais. Je sais plus du tout, en tout cas. Alors, je me permets d'aller vérifier quand même. Ah oui, c'est ça. Oh oui, trop bien. Quel bonheur. Oh là là. Par contre, ça, quel enfer. Là, rien ne va m'échapper maintenant. Ok, super. Alors, là, je vais avoir un peu de mal, je pense. Léger. Léger, léger, léger. Oui. Léger, la difficulté pour forer. Ok. On y arrive progressivement pour tout se faire là. Vais-je y arriver quand même à temps? Non, j'y arriverai pas à temps. Alors je remonte plus tôt. Pour choper celui-là et. Ok, hop là. Ah, dommage. Ah, j'en ai perdu une partie. Pour ça que c'est bien quand... C'est bien espacé. Voilà. Tac, 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 tac. Allez. Ok, quand même un peu de grosse bestiole. Voilà. Là, voilà. Là, voilà. 40 pour améliorer ça, ça va être long. Ça va être long et fastidieux. Ça, par contre, ça peut être bien. Piège à monstres, des pièges énergétiques peut maintenant aussi étourdir les monstres. Très bien. Voilà, hein, on va avoir pratiquement tout full upgrade, hein, va falloir. Il y a juste la foreuse qu'on peut encore upgrade. Si dans l'absolu, on peut s'en rapprocher, hein, de la full upgrade, hein, je pense, avec le temps. Allez. Non, mais ça veut dire que... Non, on va... Non, je suis en train de réfléchir. Non, puisqu'en vrai, on pourrait théoriquement... Même on pourrait... À partir d'ici, ça ferait de la. Ça ferait un forage opti encore. Merde. Bon, bah, je vais me faire foutre, j'ai compris. En gros, je peux mettre 4 maintenant. Sans que ça me pose trop de problèmes. C'est 4, c'est où? Je sais même plus. On va voir si c'est là. On met 3. On peut essayer de mettre 3. 3 étages entre chaque. Comme ça, s'il n'y a rien, on fait des gros pâtés et ça passe tranquille. Juste m'assurer qu'il n'y a rien. Parfait.
Ah ah. Je vais chercher celui-là. Bon, on n'y est pas encore, hein. Si, j'en sais rien. Non, il en manque un qui est encore plus au fond. Merde. J'ai pas eu de regarder mon... le temps. Ok, j'ai réussi à récupérer tout ce qui restait. Enfer. Enfer et damnation. Voilà. Hop là. Très bien. Il n'y a plus rien d'upgrade qui est pertinent, je trouve, à l'heure actuelle. Ok. Ok. Bon, c'est le bouclier qui prend, de toute façon. Je pourrais pratiquement avoir 42 fer. Oh, j'ai presque envie de les égratter, hein, les 42 fer. 42 fer là, tu fores tout. J'ai l'impression que tu as foré. Non, on fore à l'infini. Un peu de cobalt, ça peut être bien ça pour la phase finale. Bien qu'en vrai, je n'ai pas trop de crainte sur les défenses du bâtiment. Parce qu'à mon avis, ça va être blindé de chez blindé. Avec ce qu'on a. Il manque juste le canon étourdissant, mais je sais pas si on peut c'est compatible les deux ensemble. Ok, je sais pas, tout va bien. Toi avec moi, de toute façon, c'est parce que ça ralentit désormais. Et voilà. À mon avis, s'il est pas encore là, il va être encore en dessous, mais dans. C'est peu probable qu'il soit pas dans le petit renfoncement noir qui est juste ici. Oh putain. Oh, c'est coriace. Oh, c'est coriace. Oh oui. Le voilà. Le voilà, le voici. Ah, j'ai presque envie de tenter les 40, hein. En fait, c'est juste que j'ai envie de tester. Voir ce que ça donne. Voilà. On va remonter. Parce que là, je n'ai plus le temps. Hop, on remonte. Non, je sais plus où c'était. Ça devait être dans le bleu. Ça devait être dans le bleu turquoise. L'arbre. En vrai, je trouve un filon et on est bon. Ok. Et là, j'ai utilisé ma capacité pour encaisser quelques coups potentiellement.
permet d'explorer le fond de la map, hein, à ce stade-là. Voilà. J'avoue que c'est quand même grand. Hein. Au secours. J'avoue que la map est quand même assez fat. Non, je pense qu'on va... Non, bah tant pis autrement. Tant pis. Non. Pas grand intérêt de faire perdurer la game plus longtemps que ça. Allons-y. Hop là. Hop là. Non. Putain, je suis perdu. C'est une catastrophe. On va voir si avec les 29 points, je peux pas prendre des upgrades, mais je doute. Non, pardon, il y en a un deuxième. Un deuxième qui manque. Et qui doit être probablement dans cette zone-là encore. Encore plus profond. J'étais tellement prétentieux. J'ai eu la prétention de dire que c'était la fin, mais alors pas du tout. Du cobalt, ouais, ça peut être utile, mais après, encore une fois, le cobalt, on en a tellement eu à l'appel dernièrement. Ouais, je pense que le prochain épisode, on pourra augmenter la difficulté avec le mortier. Je pense qu'on pourrait essayer de se faire une grosse game avec le mortier. Ça va être cool. On va juste s'assurer que c'est pas là. C'est pas en dessous, ouais. Oh putain. Au secours! Veuillez forer, s'il vous plaît! J'ai pas le temps. Si le convertisseur est bon, j'ai les 40 et ce serait nickel. Mais j'ai un doute sur le fait qu'on soit à la fin des 3. Des 2,8 cycles. Des 3 cycles globalement, parce que de toute façon, c'est pas 100% opti de mon côté. Touk. C'est bon. C'est un bonheur. Ah oui, pardon. Attends un peu. Oula. Alors, les chiffres que je vois sont un peu exponentiels. Ok, c'est bien, ça les paralyse, c'est cool. Ah, remise à niveau. Finalement, c'était pas si exceptionnel que ça, je pensais. Parce que vu que les chiffres sont vraiment énormes... Oh, atteint la profondeur, j'avais jamais fait ça. Mais en même temps, tu me diras, les games énormes, je suis même pas sûr qu'on en avait fait déjà auparavant. Je suis en train de voir le temps qui défile. Oh la game. Oh la game à rallonge. Oh putain. Je suis en train de calculer là. Parce qu'on est sur... pour moi on est sur deux rushs fragmentés. On est quand même à plus de... On est à plus de 2 heures. Bon, il va être temps de conclure tout ça. Mais en même temps il y a tellement de faire autour. Oh, mais en même temps, à quoi me servir le faire? Allez, on prend ces 4 carrés là et tout ce qui va avec et on est bon. Voilà. Enfin, si j'en rate un, je pense, je devrais survivre. Allez, ouvre-toi.
Et étant d'aboutir cette game qui dure déjà depuis beaucoup trop longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai mis à convertir encore des... Bon, quoi que tu m'iras, c'était toujours utile. Voilà. Pousse de portail, on sait jamais. Là, ça va une full nous régène. Et est-ce que je peux upgrade quelque chose ? Je veux juste regarder. Non, il n'y a pas grand chose d'upgrade. Mon pré-shot. Ok. Ok, c'est le bordel. Ok. Ok, on a mis la surcharge. Ok. Ça passe pour le moment. On va bien. On a encore pas mal d'HP, hein. Ok, ça se calme. Voilà. Easy win. Dit-il après... après tout ce temps. Ficher la mine. Ouais, voilà. Je connaissais absolument pas ce bouton. Enfin, on a... Ah, on a charbonné, hein. À mon avis, on a oublié pas mal de ressources sur la gauche, mais en même temps, à la fin, ça servait plus. Ça servait plus. Oh, putain. Tout ce qu'on a foré. Ah, j'aime bien. Ils ont rajouté un bon petit bouton. Juste ce petit bouton-là, c'est pas anodin, mais c'est tellement cool. Oh, putain, il y a tellement de flottes et de cobalt sur la gauche. Putain. Ah putain, il s'est bien développé, hein, le bousin. Hein. Il y a tellement de flotte. Je me suis dit, oh, c'est pas nécessaire, il y en avoir un. Ah bah, pas du tout, moi. Ah, j'aurais tellement dû y aller. Aïe, 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 aïe. Et Non, on va ça... Ah si, il y avait quand même un peu, ouais. Oh, pas tant de faire que ça, au final, pour le travail que ça m'a demandé. Non, ouais, ça aurait pas été forcément très utile. Très bien. Débloquer un nouveau livre. Le dôme Tesla. Ça, c'est pour le prochain épisode. Voilà. Le dôme est sauvé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Alors, on va voir. Tiens, ça fait quoi comme effet, dôme Tesla? Ouais, ouh, ça va être chiant, je pense, à maîtriser. Ça va être comme l'assesseur. Ok. Bah écoutez, note à soi-même. On va... Je pense qu'on fera une game un peu plus petite pour le prochain épisode. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. En tout cas, c'est très stylé.